un sol vivant. Cette notion peut surprendre, car a priori, un sol reste toujours un sol, certes plus ou moins fertile, mais toujours aussi inerte. Et pourtant, à la différence de la plupart des sols exploités en agriculture, les sols vivants se caractérisent par l'intense activité biologique qu'ils abritent. Bactéries en tout genre, champignons variés, racines végétales, insectes divers et leurs larves, mollusques, vers de terre de plusieurs espèces, etc., etc. L'ensemble de ces organismes naturellement présents dans les sols non perturbés par l'homme constitue un écosystème parfait, en équilibre dynamique, qui organise le sol selon une structure idéalement poreuse mais solide et donc très portante, filtrante, aérée, et qui fait fonctionner efficacement le sol. Ces sols vivants se trouvent, par exemple, dans les forêts ou prairies permanentes, là où les outils de travail profond du sol ne vont jamais, car l'action de ces derniers détruit cet écosystème et donc une grande partie de l'activité biologique qui en résultait. Ces agriculteurs, non bio, encore très peu nombreux en France, ont ainsi adapté des techniques de production végétale simples, donc à la portée de tous, favorisant toute la vie du sol et qui constituent ce que l'on appelle l'agriculture de conservation, sous-entendu conservation à long terme du potentiel agronomique des sols. Ce mode de production a été mis au point et largement éprouvé, notamment aux USA, Canada, Argentine, où il est appliqué avec succès sur des millions d'hectares très compétitifs. Au Brésil, où des régions entières sont ainsi valorisées depuis de nombreuses années, l'impact très favorable des sols vivants sur l'environnement a été confirmé à grande échelle. En France, la valorisation de sols vivants peut prendre deux formes. Les techniques culturales simplifiées, TCS, ou le semi-direct, SD. L'ensemble constitue ce que l'on appelle les techniques sans labour. Mais il s'agit plus précisément de techniques sur sol vivant. Car quand le labour est remplacé par un travail profond avec tout autre outil, cela revient à peu près au même. La structure naturelle idéale du sol vivant est détruite, ainsi qu'une grande partie de la flore et de la faune qui vont avec. Un sol vivant n'est jamais travaillé en profondeur par les outils de l'agriculteur, mais il l'est beaucoup plus et beaucoup mieux par les racines des cultures et couverts végétaux et par les vers de terre, qui y sont très nombreux et actifs, à condition qu'ils puissent se nourrir de résidus de végétaux morts laissés à la surface du sol. C'est un des rôles des couverts végétaux, un autre pilier de l'agriculture de conservation. Fournir, après destruction sans enfouissement, l'alimentation permettant la multiplication et la pleine activité de travail du sol des vers de terre. On comprend facilement pourquoi ils sont beaucoup plus rares dans les sols travaillés où les résidus végétaux sont enfouis. Non seulement on leur a enlevé le gîte en détruisant leur habitat, mais en plus on leur enlève le couvert en enfouissant les résidus végétaux morts, leurs ressources alimentaires. Très banal à première vue, ces cultures pourront pourtant étonner plus d'un agriculteur, car elles se sont développées sur un sol qui n'a jamais été labouré ni travaillé en profondeur depuis 5, 10, 15, voire 20 ans. Difficile à croire dans un premier temps, mais force est de constater sur le terrain que non seulement c'est techniquement possible, mais aussi et surtout, c'est économiquement très performant, réduit considérablement le temps de travail, ainsi que les pollutions d'eau par l'azote, le phosphore et les pesticides. J'ai arrêté de labourer en 1995 avec 5 de mes voisins et on a formé une CUMA où on a mis en commun tout le matériel de travail du sol et on a tous fait le pas en même temps d'arrêter de labourer, ce qui nous a fortement aidé puisque on a fait les démarches ensemble, les formations ensemble. On arrive déjà à implanter avec moins de 20 litres de gasoil, on implante nos cultures. Et aujourd'hui, globalement, sur les 6 agriculteurs de la CUMA, il n'y en a pas un qui est prêt à faire marche arrière. Mon comptable n'y croyait pas, aujourd'hui il regarde les chiffres. Depuis que je suis en semi-direct aussi, c'est que la citerne à fuel, au lieu de faire deux fois le plein dans l'année, je ne le fais plus qu'une seule fois.
Déjà par rapport au traditionnel avec le SEM Exact, ça avait bien baissé, mais bon, il fallait de la puissance. Mais là, avec le Semeato, comme ça ne demande pas de puissance, il faut 5 litres hectares pour semer, donc ça va. Depuis une quinzaine d'années, Pierre Chenu exploite ses 150 hectares en TCS, en plus de 50 vaches laitières. C'est le banquier, quand il voit nos résultats, il s'étonne de sortir d'aussi bons résultats, d'aussi bonnes marges nettes, parce que par rapport à l'outil de production, quoi. Mais alors qu'on n'a pas de rendement net meilleur que d'autres, mais c'est qu'on a des coûts de production derrière qui sont beaucoup moins importants. Donc ce qui compte, c'est ce qui reste. Après 10 ans de technique culturale simplifiée, Jean-François Sarraud est passé au semi-direct il y a 5 ans pour exploiter ses 200 hectares. Depuis le début de l'implantation du couvert jusqu'à la fin de la récolte de la culture de vente, on est à 2 heures et quart de travail par hectare, tout compris. Et on est aux environs de 35 litres de gasoil consommés pour le même itinéraire par hectare. Depuis l'implantation du couvert jusqu'à la récolte comprise. On a globalement divisé par 3 l'ensemble des coûts de mécanisation, main-d'œuvre comprise. Au début, comme beaucoup de gens, on avait des problèmes de main-d'œuvre, on voulait gagner du temps. On était un petit peu sensibilisés sur la partie agronomie parce qu'on voyait que nos sols se dégradaient, on avait des problèmes de battance, on devait faire recours de plus en plus à l'irrigation. Et on est sur une zone vulnérable, on pompe dans un bassin versant où on a des restrictions d'eau. On est sur un point de captage d'eau où il faut que l'eau soit nickel en azote. On était sensibilisés là-dessus et en fait on avait envie de modifier nos pratiques. On voyait bien qu'on rencontrait de plus en plus de problèmes, on était carrément tributaire de la chimie. On avait envie de produire autrement, d'une autre façon. Outre la résolution des problèmes d'érosion, de pierre, de baisse du taux de matière organique, de battance, d'économie de main-d'œuvre et de charges de mécanisation, les techniques sur sol vivant seraient-elles aussi plus respectueuses du milieu naturel en général et de la qualité de l'eau en particulier? D'un point de vue environnemental, on va pouvoir répondre à beaucoup de critiques de façon nette. Hein. La fuite du phosphore responsable des algues vertes, c'est de l'érosion de sol. Hein. Ce n'est pas autre chose. C'est des stations d'épuration, mais aussi de l'érosion de sol. Et le phosphore est dans la terre. Donc, si pollution au phosphore, donc érosion, ruissellement. Ah bah des vers de terre, il y en a un paquet. Hein. Le ver de terre fait un travail monstre dessous. Et puis une fois qu'on a ces auxiliaires-là, bah il s'agit ensuite de les entretenir. Donc on est bien d'accord, quand on a une population de vers de terre, elle ne se développe et elle ne résiste que si elle a de la nourriture à profusion. Donc c'est l'intérêt des couverts que d'apporter la cellulose et la lignine nécessaires à leur nourriture. Que visuellement, au départ, c'est pas beau, c'est vrai qu'il a rien à vendre par rapport à l'autre, mais arrivé comme aujourd'hui, déjà dans le champ, là, on voit pas la différence. Et puis, moi, je considère que si on a le même résultat, le même rendement, et qu'on a un coût de mécanisation divisé par deux ou par trois dans certaines conditions, et qu'on entretient la nature, enfin, on ne détériore pas le sol, quoi, il n'y a plus résiduellement, bah, pour moi, c'est gagné, quoi, c'est tout, quoi. Et puis, voilà, c'est pas de refaire le monde, hein, c'est de vivre avec la. D'observer la nature et laisser la nature faire, quoi.